c'est costaud à lancer par contre. Hogwarts Witchcraft. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. Comment ça en 5e année? L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers du premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Elzer Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition. Bien à vous, professeur Weasley. Ah tiens, directrice adjointe. Ah, ça va être Ginny. Non, M. Weasley. Non, ça va pas être Ginny. J'ai fait des démos, j'ai fait du FF14, j'ai fait du Dark and Darker, j'ai fait... j'ai fait plein de trucs en vrai. J'ai fait... j'ai l'impression d'avoir oublié un jeu. J'ai fait plein de trucs. Oh bordel. Ok, c'est très beau. C'est très très beau. D'accord. C'est très très beau. J'ai fait beaucoup de Torchlight, ouais. J'ai fait du Diablo 3. J'ai fait du Diablo 3. Ok. Bon, les personnages sont super pour l'instant. C'est beau, hein. Bon, on va voir comment il va tourner, écoute, hein. Ah. Okay. Les détails et tout de la peau sont assez bluffants en soi. Non, la coiffure me va très bien pour le coup. La couleur des cheveux aussi. Le teint. Ah, genre, faut qu'il dorme, quoi. Comme ça, c'est très bien. Grain de beauté. Non, non, c'était bien avant, en fait. Non, mais j'aime bien mon perso, là, en vrai. Attends. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ah, genre, tu peux le faire vraiment le badass classique, ok. Ah ouais, là, il a pris cher, là. Ok, on pourra dire que c'est un hippogriffe qui m'a mis une tatane. Couleur des sourcils, bah j'ai envie de te dire généralement, voilà. Finaliser votre personnage, alors. Quelques toiles d'araignée et de la poussière, pas de quoi. C'était captivant, je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Sélectionner un niveau de difficulté, on va faire en difficile je suppose. Hein. Oh, dortoir, sorcier ou sorcière. Attendez, il n'y a que les hommes et les femmes. C'est honteux. C'est honteux. Ice skate, cravate. Hein. Oh, c'est absolument honteux. Ah là là, c'est pas inclusif, hein. Hauteur, bah, par contre grand. Je suis encore. J'ai hâte d'aller à Préolard. Ah. Quelques toiles d'araignée et de la. C'était captivant. Je suis encore à l'école, mais je pourrais. J'ai hâte d'aller à Préolard. Ouais, c'est bien comme ça. Commencez votre voyage. En tout cas, pour le coup, l'interface, le visuel et tout, c'est hauteur de voix. Ouais, j'ai compris après, t'inquiète. Superbe. Pour l'instant, superbe. Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Oh Eleazar. George. Je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues.
Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, je... Non, n'en parlons pas ici, Eleazar. Bien sûr. Mais on passe en mode foulée, merci. Le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux dame-pierre. Ah, lui, il fuit un truc, lui. Allez, son bras, là. Ah! Si, il vole les sombras là. Ouais, il vole. Bon, ça, alors, soit c'est le Holy, soit c'est le jeu. Mais je suis un peu comme ça, en bien. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage ? Une nouvelle recrue. Nouvelle ? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela ? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrok. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... sérieuse. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment ? Elle m'a écrit au sujet de Ranrok avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrok. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Je viens seulement de titrer qu'on était en français. Je pensais qu'on était en anglais depuis le début. Sous-entendant, le doublage est parfait. Je le trouve pour l'instant exceptionnel, le doublage. Attendez. Et oui, on les voit maintenant parce qu'on a vu le mec mourir.
Alors là, franchement, j'aurais pu imaginer beaucoup de choses pour qu'il se fasse buter l'autre mec, comme il était poursuivi, mais pas un dragon, putain. Incroyable. Comment ça va? Ah ouais, de ouf. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Waouh! Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Ah! Que s'est-il passé? C'est un peu une fiole d'estus. Hein. Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Ah, il est mort, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui a pris à cette... On a vu les sombrales après. Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Ah, c'est stylé, vous avez vu comment ça s'est... Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin? Comme un truc de théâtre? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Les bandes noires à droite et à gauche. Oh, il est incroyable sur l'écran, le jeu. Sur le 34 pouces ultra-wide. Monsieur, explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? C'est chelou, c'est déjà inversé la caméra. Pourtant, je l'ai pas inversé dans les paramètres. C'est inversé de base, attendez. Ah non. Attendez, je sais. Non, c'était pas inversé. Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmené? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines. Vous pensez que le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Alors, attendez. Non, non, c'est pas inversé. J'ai cru, mais non. Alors, que je trouve... Voilà. Yes. Faites attention. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte au loin qui nous a menés ici? Bonne question. Salut, Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui. Une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Le doublage est pour l'instant un des trucs qui me bluffe le plus. Elle faudrait si c'était le cas. Il est giga propre. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Magnifique. Certains joueurs préfèrent se réussir, déplacer l'attaque, le signe logique. La mire relative. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par la mire relative, on verra. C'est un peu à la sol, non? Eh bien, bah, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Ça m'est sorti de la tête en fait, tu vois là. De passer en VOSTFR, mais Oh, attends.
Votre maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Mais je le trouve juste parfait en fait, le doublage. Ah ! Là-haut ! Il va y arriver, papy ! Putain, il est chaud, le vieux ! Ah ouais, non, mais autant juste ce qu'il faisait. Ouais, ok, mais là, là il est chaud, là. Presque ! C'est un peu plus loin. Ça rend bien d'ailleurs sur le chat, sur le live. Accrochez-vous le jeu. Accrochez-vous bien. Enfin, peut-être que je réduise un peu la cam, non? Préparons. Merde. Ouais, je vais réduire juste un chouïa à la cam. Voilà. C'est le jeu qui compte là. Et là, vous voyez, j'ai enlevé toutes les pubs à total pour qu'on soit vraiment en mode. Sur les jeux solo qui sont beaux, je ferai toujours ça. Pareil, qu'on fera le remake de Dead Space et tout quoi. Ah, c'est ça que j'aurais pu faire, tiens, cette nuit aussi, le remake de Dead Space. Trop petite les bandes noires. Là, elle serait vraiment, vraiment petite. Après, je peux faire ça à la limite. Moi, je trouve ça chelou, mais. Si vous me dites que c'est mieux, je peux faire ça. Si vous trouvez ça mieux, le chat, on fait ça comme ça. Vous me dites. Moi, ça me perturbe un peu, mais on s'en fout, en fait. C'est vous, là, pour le coup, c'est votre avis là qui compte. C'est vous qui consommez le stream. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte loin nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Alors, la mini-carte vous montre l'environnement. Yes, l'objectif. Ok, ça j'ai bien vu. Voilà, vous de me dire, vous préférez quand c'est sur la gauche ou ici? Oui, c'est ça. Là, par exemple, je cache la mini-map, donc c'est pas ouf en vrai. Rien qu'avec ça, tu vois, je cache la mini-map, donc c'est pas dingue. Au moins ici, je cache pas l'information pour le coup. Hein. Et c'est pas dramatique. Oublie pas qu'on est en ultra-wide, donc dans tous les cas, j'ai plus d'informations qu'un écran de base. On a plus un peu. Les animations sont. Alors. Ok. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Sorcier. On a des symboles. Comme des cartes. J'ai ici, c'est ça? Donc, explorer les ruines. Professeur, cette statue. Il devait sans doute vivre ici. Ouais, mais on sait pas qui c'est le papy. On va faire péter un peu le son du jeu. Je sais pas s'il y a d'autres choses à explorer. Je suis pas le plus doué pour les énigmes, les gars. Je vous préviens. Alors, pas de backseat, évidemment, hein, pas de spoil, mais c'est dans le sens. Ah! Simplement. Il n'y a pas d'énigme, faut juste bouger.
Ok. Feedback est insane pour l'instant. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin? C'est quoi, ça? Professeur Fig! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte-loin. Ça alors, par Merlin! Par Godric! Où sommes-nous? Je ne peux y croire. On est dans la banque? Y a quelqu'un? Putain, on est dans la banque! C'est impossible! Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Bah la clé c'est le porte-loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon? Cascade de vérité. Hein. Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. De simples mesures de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres inférieurs. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon.
Je vous demande pardon ? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes.